Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, nous allons parler de la deuxième partie de figures de style. Nous allons travailler ensemble les figures d'opposition. D'abord, les figures d'opposition regroupent dans un même énoncé des idées contraires. Donc, on a des idées contraires dans un même énoncé. Les figures d'opposition sont toutes celles qui mettent en valeur des contrastes ou bien des oppositions entre deux personnes, entre deux situations ou bien entre deux idées. Par exemple, on a la joie et la tristesse, l'enfer ou le paradis, se lever ou bien se coucher. Vous voyez, on a des idées contraires. Les figures d'opposition sont l'antithèse, l'oxymore, le chiasme, et l'antiphrase. La première figure d'opposition est l'antithèse. C'est une figure de style qui est fondée sur l'opposition. Elle utilise des mots opposés pour mettre en valeur un contraste. Donc, elle met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. Alors, dans cette figure de style, on a la présence des mots ou des expressions séparées qui s'opposent pour créer un contraste fort. Les expressions sont séparées, donc il y a une séparation entre les deux termes opposés. Prenons le premier exemple. Mon père travaille jour et nuit pour subvenir aux besoins de la famille. Les deux mots « jour et nuit » désignent une réalité opposée. Le jour s'oppose à la nuit. Ces deux mots renforcent le fait de contraste. Remarquez bien qu'il y a une séparation entre ces deux mots. Les deux mots « jour » et « nuit » sont séparés par la conjonction de coordination « et ». Donc, il s'agit d'une antithèse. Le deuxième exemple, « j'ai su monter, j'ai su descendre ». On peut bien remarquer ici la présence des verbes opposés, « monter » et « descendre ». Mais dans cette phrase, les deux propositions sont séparées par une virgule. Il s'agit donc d'une antithèse. Dans cet exemple, l'antithèse consiste à rapprocher deux expressions opposées pour créer un effet de contraste. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une séparation entre les deux termes opposés. Dans le premier exemple, nous avons la conjonction de coordination « et dans le deuxième exemple, nous avons vu la virgule qui sépare les deux propositions. La deuxième figure d'opposition est l'oxymore. C'est une figure de style qui consiste à placer l'un à côté de l'autre deux mots opposés. Donc, c'est le rapprochement de deux termes opposés. Mais faites attention les élèves, dans ce cas-là, il n'y a pas d'outil qui sépare les mots. Ils sont côte à côte, comme dans l'exemple suivant. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. On a les deux mots, obscur et clarté. Ils sont côte à côte. Donc, le mot « obscur » fait référence aux ténèbres et à la noirceur, tandis que la clarté, c'est une idée lumineuse, éclairée. Ce sont deux idées contradictoires qui sont posées l'une juste à côté de l'autre. Donc, on a un effet de contraste. On veut parler de la véritable lumière dans les profondes ténèbres qui jaillit des étoiles. Prenons un deuxième exemple. Un silence assourdissant envahit la salle. Les deux termes, silence et assourdissant, sont opposés. Ils sont contradictoires, mais ils sont côte à côte. Il s'agit donc ici d'une figure de style qui est l'oxymore. Dans cette phrase, on a un effet de contraste. On n'a pas toujours besoin de parler pour faire du bruit. Parfois, des paroles bruyantes, c'est-à-dire qui font du bruit, jaillissent du silence et envahissent la salle. La troisième figure d'opposition est le chiasme. Qu'est-ce que le chiasme? C'est une figure de style qui influence la construction grammaticale d'une phrase. Elle apparaît lorsque deux paires de mots, identiques ou bien appartenant au même champ lexical, sont positionnés d'abord dans un ordre, puis dans l'ordre inverse, selon le modèle AB-BA. Donc, il s'agit d'un croisement d'éléments dans une phrase. Le premier exemple, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. La neige et le sable se trouvent au début et à la fin de la phrase. Ils forment une première paire de mots. Ces mots sont liés au champ lexical du climat. Alors que le nord et le sud sont au milieu.
Il forme une seconde paire de mots liés au lexique de points cardinaux. Les points cardinaux, ce sont les points qui définissent les directions du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Il y a quatre points cardinaux qui définissent quatre directions différentes. Donc, il s'agit ici d'un croisement d'éléments. Ils sont répartis dans la phrase selon l'ordre ABBA. Ce chiasme montre bien le contraste entre les deux situations évoquées dans cette phrase. Le deuxième exemple. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. La flamme et la lumière constituent la première paire de mots. Ces mots sont liés au champ lexical de l'éclat, alors que les jeunes et le vieillard forment une seconde paire de mots et ils sont liés au lexique de l'âge. Donc il s'agit ici d'un croisement d'éléments dans une même phrase. Ils sont répartis selon l'ordre ABBA. Donc la figure d'opposition dans cette phrase est le chiasme. La dernière figure d'opposition est l'antiphrase. L'antiphrase exprime l'opposé de ce que l'on pense. Elle exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. Donc l'antiphrase crée un effet d'ironie. Comme dans cet exemple. Avec cette mauvaise note, tu peux être fier de toi. Dans cette phrase, on a une antiphrase, car si quelqu'un a eu une mauvaise note, il ne peut pas être fier de soi-même, puisqu'il n'a pas eu une bonne note. Alors, on veut plutôt dire à l'élève que ses résultats sont désastreux et catastrophiques. Le dernier exemple, tout le monde connaît sa grande bravoure. Bravoure, c'est-à-dire le courage. Dans cette phrase, on a une antiphrase pour créer un effet ironique. Donc, dans cette expression, on ne veut pas dire que tout le monde connaît le courage de la personne, mais c'est plutôt le contraire. On veut parler de la lâcheté de la personne ou de son manque de courage devant le danger. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.